Saint Bourgogne. On reconnaît là le œnologue de Jean-Marie Faust qui nous présente depuis Martigny-le-Comte ce numéro 33. Voilà, on va marcher avec ce fiche de Calquévi et Vieille Vigne par Sacro-Saint. Alors Sacro-Saint, étalon que vous ne connaissez peut-être pas très bien, mais c'est un Sacro-Saint était un frère de Saint-Dessin par Kendor. Il n'a pas beaucoup sailli. Quant à la mère, elle est parmentonienne et la grand-mère, c'est Forstouche. On a déjà parlé de ces souches à une ou deux reprises depuis le début de ce concours. C'est une souche qui a été exploitée, une souche à la base de Saint-Voix qui a été exploitée pendant à peu près deux générations par Gilles Chénion, avec beaucoup de réussite d'ailleurs, Ciel de Brion, Jeddah, Vol de Brion, et dont Nicolas Dagenet a récupéré une branche. C'est celle qui a donné la branche, en l'occurrence de First Wool. C'est celle qui lui a donné notamment Savigny. Et puis, c'était Montremain, elle est partie, la grand-mère, chez Jean-Marie Prost, qui a donné naissance à Vieille Vigne, toujours dans la thématique du vin. Jean-Marie Prost qui a fait quelques champions. Évidemment, Grand Cru, pouvait-on trouver un meilleur nom pour un cheval nommé sur la thématique du vin que Grand Cru, qui est devenu un champion outre-Manche, notamment sur les pistes de Cheltenham.